Le jour qu'on m'a excisé, j'ai fait un choc. Ma maman m'a pleuré 3 fois. Elle a crié croyant que j'étais morte. Donc vous voyez, c'est des souvenirs très douloureux qu'on ne peut pas en parler. En 2008, c'était une approche d'écoute et de dialogue. On n'avait pas l'approche sectorielle. Travailler avec les services de santé, de justice, sécurité. Aujourd'hui, on a intégré aussi cette dimension dans le travail communautaire. Et quand on a compris qu'il faut coupler les deux, ça a accéléré le processus d'abandon en milieu communautaire. Au lieu de faire 3 ans pour avoir 10 villages, aujourd'hui, on a eu 3 ans d'intervention. On a eu 10 fois plus le résultat des années précédentes. Kolaning opéro hunaning ikomaning lana funya ne pombo jwa na mo jwa mo mo yango wen so kona kon mat balando opéro tolaning hando opéro helaning je jwa mo sa le fondane. Mon éwane tao, quand il est hors de vie, quand on est mort, je vois bien yo mon père, voir Wanda mala. Après le décès de la fillette Kumba, c'était triste pour tout le village. On a profité de cette occasion pour les montrer réellement toutes les raisons fondées pour ne pas exciser. On a décidé donc d'intensifier le reste des actions, puisque l'évidence a été identifié dans cette zone pour la première fois en Guinée où on déclare qu'une fille était décédée de l'excision, bien qu'il y en a beaucoup, qu'il y avait beaucoup, mais qu'on ne déclarait pas. A qui paie ma précise, ma nana Thomas, je sais que tu es du Thomas le nom Mako en Apono. Qu'est-ce que tu as dit, Thomas, qu'on n'a pas Mako en Apono? Je ne sais pas si je suis un homme qui a été un homme. C'est ce que tu as dit. Je suis un homme qui a été 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 un homme. Quand un homme est refusé par sa femme, il ne donne pas de dépenses à la maison. Il ne gouverne pas la colère. La violence conjugale sera très élevée. Les enfants seront dehors. Finalement, j'ai dit tant que le problème de la sexualité n'est pas résolu au village, aucun problème de développement ne sera résolu dans une communauté. C'est pourquoi spécifiquement, on s'attaque à la sexualité. Personnellement, j'ai été très épaté de par l'engagement personnel de cette femme. Et je l'ai suivie de près. Elle a été injuriée, elle a été rejetée de tous dans la communauté. Au point qu'elle a été très fragilisée. Vu la nécessité, j'ai essayé de l'épauler, au moins pour qu'il y ait un peu de paix à la maison. Moi-même, j'ai décidé volontiers de spéculer sur ce sujet. Ça me plaît ce travail. Aujourd'hui, les gens, ils écoutent mieux, ils discutent, ils vont prendre des engagements. J'ai moins de considération par rapport à ces chantages, parce que j'en ai vu beaucoup sur elle, donc j'en ai tiré de l'expérience.